Bonjour tout le monde, c'est Thi. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la découverte ou la redécouverte de Medieval Machine Builder. Je vous avais présenté la démo lorsque les devs m'ont donné l'accès. Là, ils me donnent l'accès au jeu complet avant qu'il sorte. Il sort le 19 février. Et je me suis un petit peu remémoré les souvenirs en refaisant le poste frontière. Vous savez, le moment où on devait construire la catapulte et puis détruire la tour. Aujourd'hui, on a le choix entre la tour isolée, le carrefour et les gorges. Ouais. Donc on va essayer le carrefour. Et si le jeu vous plaît, tout simplement, vous me dites en commentaire avec un petit like, un petit commentaire et tout ce qui va avec. Et puis, je ferai les autres... Je ferai les autres... les autres levels, quoi, en quelque sorte. Donc voilà. Après l'attaque des forces de notre royaume, toutes les colonies de frontières ennemies ont été abandonnées. Les habitants de ces colonies ont pris tout leur effet personnel et leur bétail avec eux. Ils n'ont laissé que des maisons et des enceintes désertes. Ces zones seront les premières régions pour que nos sujets s'installent. Cependant, le conseil a jugé approprié de... effectuer d'autres tests sur le terrain et d'évaluer vos compétences globales dans l'exploitation d'une catapulte. A cette fin, nous désignons l'un des villages les plus pauvres situés dans un emplacement d'importance stratégique mineur comme terrain d'entraînement. Affichez vos compétences, améliorez-vous et apprenez des erreurs que vous faites. Dans cette campagne en temps de guerre, il n'y a pas de place pour les erreurs. Conseil du roi. Compris. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? J'ai atteint le village abandonné et la catapulte est prête. Il est temps de prouver que je suis ce que je fais. Que je sais ce que je... Ok. Donc tu veux quoi en fait? Tu veux que je tire à la catapulte? Je peux en charger plusieurs ou pas? Non. Ah, attendez ici peut-être? Je sais pas. Ok. Alors, ça c'est pour changer la distance. Et on doit détruire les bâtiments. Alors, on va commencer par le plus au fond. Voilà. Ça, c'est pour tourner la catapulte. Qu'on va mettre comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Ah ouais. Oh, je suis pas mal. Je suis pas mal. On va en remettre. On va changer un peu la distance pour que ça tape vraiment frontalement. Et on va tirer. Ah, moi, je dis qu'on s'en sort bien. Je dis qu'on s'en sort même très bien. Ensuite, on va aller où? On va aller sur celui-là. Et on va tourner un peu par là. Feu! C'est moi le patron ici. Ouais. Je pense qu'au même endroit, ça pourrait faire encore un peu plus de dégâts. Et ça serait pas mal. Ouais, voilà. On va tirer. On va tirer sur une tour. On va tirer sur la tour pour voir. Comme ça. Feu! Ok. On va tourner légèrement comme ça. On n'est qu'à 17% de destruction. Non mais où? Ah ouais, ok, si je tire sans rien, ça va le faire. Hop, feu. Ok. Oh, moi je teste. Là, on va détruire les maisons qu'il y a sur la gauche. On a tout un tas. On va les détruire.
Toc, 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 on va tourner par là. Là, il y en a tout un tas, là. Tac. Fais voir la distance. Tac. Feu! Pourquoi on dit feu? Je sais pas. Pas mal, ça. Pas mal, hein. Je crois que je tombe dessus encore, on va voir. Ouais. Ok. La maison là au fond. Voilà, en plein dedans. Feu. Je pense qu'il y a moyen de faire des dégâts toujours à ce degré, pardon. Ouais. On a pierre à l'infini. Hein. Ça, c'est génial. Grosse maison là-bas, là. En plein centre, voilà, comme ça. Feu. Ah, il y en a plusieurs. Oh, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. On va faire comme ça. Ok. Je pense que c'était la maison de pauvres gens avant. Voilà. Même endroit, même endroit, même endroit. Feu! Oh, pas mal. Ça m'amuse tellement, mais c'est bête, hein. Enfin, moi, j'aime. Mais ça m'amuse tellement de détruire les choses. Je suis un gosse. On va détruire la maison là, là. Comme ça. Feu. Pas mal. On va augmenter un petit peu la distance. Genre comme ça. Voilà. Ah ouais, ouais, ouais. Je suis à combien? 51%? Faut que je rase tout ou quoi là en fait? Oh, je crois que je dois tout raser. Ok. Donc du coup, il faut que je fasse... faut que je fasse la tour qu'il y a là. Ah, il y a même une petite maison là, je l'avais pas vue, attendez. On va faire la petite maison aussi. Là. Ah mais il y a les barrières aussi, les rambardes, non? Les barricades, pardon. Oh, il était mauvais ce tir. Oh, qu'est-ce qu'il était mauvais ce tir. On va rajouter la distance. Hop. Feu! C'est pas trop mal.
Tourne un peu par là. Ok. On va s'occuper de la tour. On va voir en fait s'il faut vraiment tout détruire ou pas. En plein dedans là. Je pense que le même peut faire encore plus de dégâts. On est à 68% toujours. Ouais, il y a les barricades. Vas-y, on continue. Là, on va démolir la tour. Pas mal. Ça me plaît. J'ai une âme de destructeur. On va démolir la tour. ~90%. Ouais, il n'y a pas besoin de tout détruire, mais c'est tellement satisfaisant. Go. Et là, oh bah voilà. Le village élevé au sol est une preuve suffisante de mes compétences. Temps de repos. Maintenir, ok. Marcher jusqu'au point. Quel point? Ok. Marchons jusqu'au point. Après avoir terminé la formation, vous êtes reconnu comme un élément significatif et très important des autres opérations militaires en territoire ennemi. Les résultats de votre travail acharné sont indéniables. Vous êtes réaffecté au reste des forces du royaume, où votre tâche sera de fournir un soutien en ingénierie complet lors des batailles et des sièges à venir. Nous croyons que vous ne nous décevrez pas. Petite coquille là. Pas grave. Donc carrefour c'est fait. Et ça c'est quoi? Débarrassez-vous du point de vue de l'ennemi. Débarrassez-vous des mains dominants. Bon, on va faire la tour isolée. J'ai envie. Les opérations militaires sur ce territoire sont très difficiles en raison de la tour de guet ennemie. Votre tâche est claire, détruisez complètement cette fortification, éliminant ainsi l'avant-poste et le point d'observation. Que les dieux vous sourient dans cette mission. Devant moi est mon objectif actuel, la tour d'observation. Bientôt, ces ruines vont tomber dans la vallée d'en dessous. Je suis level 10 quand même. J'ai 5 points. Qu'est-ce que je pourrais mettre? De la force. Et voilà. C'est encore de la démolition? Bon, bah, on va démolir. Démolition. Hop. Alors. Ok, c'est la tour là-bas. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Là. Feu! Quoi? Ça n'a pas marché? Plus bas? Ou alors c'est passé par la fenêtre, je suis aussi fort que ça? Non, quand même pas. Fais voir la tête, le pierre contre pierre, peut-être? Ah, ok. Ok, j'ai compris. En fait, la pierre ne veut pas. Ils veulent que ça soit sur le bois. On va tester avec sur le bois, du coup. Mais pourquoi il veut pas? Qu'est-ce qui se passe? Ah mais si. Mais moi je veux voir quand ça fait boum. Pourquoi tu me montres pas quand ça fait boum? Moi j'aime bien voir l'explosion. Non mais oh.
Ah. Il veut pas me laisser regarder, il est vilain. Pourtant, j'appuie sur aucune touche, hein. Ah bah voilà. Ok. On va en faire une toujours au même endroit pour essayer de taper au fond. Ah non, là c'est le sol. Au fond, j'ai dit. Voilà. Ok. Ok. Là, ça doit être pas mal. Je sais pas pourquoi il me fait ça. On va tourner un petit peu. Comme ça. Ok. Même endroit. Bingo. Comme je le soupçonnais, la tour s'est rapidement effondrée. Ses vestiges se profilent sur cet endroit comme un rappel de notre pouvoir. Tadadam. Marcher jusqu'au point. En avant, messieurs. Grâce au bombardement effectif que vous avez réussi à réaliser, les forces royales ont acquis la liberté de mouvement dans ce domaine. Ce succès nous permettra d'obtenir un territoire supplémentaire. Nous exprimons notre espoir sincère que votre séquence de succès ne se terminera pas par cette mission. Compris, chef. Ok. On va voir. Ah, je vais peut-être construire là. Alors que la campagne de guerre prend de l'ampleur, nos forces rencontrent d'autres défis sur le territoire ennemi. Malheureusement, afin de déplacer nos troupes vers le prochain point stratégique désigné à capturer, nous devrons d'abord faire face aux fortifications du ravin fortement gardé. C'est le seul ravin suffisamment large dans les environs qui permettra le mouvement d'un si grand nombre de troupes comme la nôtre, ainsi que les fournitures et l'ensemble du système de soutien. Par conséquent, l'objectif clé est d'assurer un passage complètement sûr pour nos forces à travers cette zone. Nos unités ont déjà capturé l'un des trois points clés de ce domaine. Le territoire occupé sera désormais utilisé par vous comme chantier de construction pour une autre machine de guerre, le Onalger. Je sais pas c'est quoi. Avec son aide, vous démolirez les fortifications ennemies et affaiblirez le moral des défenseurs. Votre mission est d'une importance cruciale pour le succès des opérations à venir. Nous pensons que vous remplirez votre devoir envers le royaume. Ok, compris. D'accord. Alors, il semble que l'armée ait déjà obtenu cette zone. J'ai besoin de vérifier le chantier de construction. D'accord, on va faire ça alors. Alors, il est où mon chantier? Il est là. Alors. Ok, donc là, il y a ça. Marcher jusqu'à la forêt. Hacher un arbre. Hacher? Oui, couper un arbre, oui. D'accord. Alors déjà, je vais ramasser tout ça parce que ça, en fait, c'est des choses qu'on doit ramasser. Qui sont cachées. Qui est très chiant à trouver. Je sais pas pourquoi il cache. Oh, ça va être utile, je pense. Alors, la hache. Hop, la corde. Corde. Une autre corde là. On a un inventaire hein, qui est là. Coupons du bois. On ramasse la bûche. On va mettre la bûche ici pour couper l'écorce. Tu souhaites quoi? Du quart, du moitié, du full? Deux poutres complètes. Ok.
Et donc, le petit truc pour bien couper la bûche. Enfin, le bois. C'était aussi simple que ça, je vous raconte pas. Moi, je ferai des maisons encore et encore. Hop. Ensuite, encore une, comme ça. Regardez là, hop, elles se fondent dans le paysage. Il me reste encore une bûche de bois au cas où. Il faut être bien dans le jaune parce que si on n'est pas dans le jaune, on n'a pas les 40 points. Et du coup, il faudra s'y prendre à plusieurs fois. Ok. Waouh. Le travail, j'ai besoin de faire du charbon, il est temps d'utiliser la pioche. Oh, la pioche! Ça, je l'avais pas utilisée. Alors, la pioche, là-bas. Au niveau de la catapulte, le premier machin, la première construction, on ne l'avait pas faite. Alors, on va prendre la pickaxe. C'est pas traduit en français. Et ramasser les articles charbon. Alors, charbon, je présume que c'est ça. Le mien. Ok. Et du fer, je dirais que le fer c'est ça, mais ça veut pas. Ok, et on ramasse. Germaine à la forge voisine, la fournaise et l'enclume, je trouverai qu'il devrait y en avoir assez pour terminer le travail. Ok. Moi, je ramasse tout, on sait jamais. Marcher jusqu'à la destination. Tout ça, je l'avais pas fait avant, donc c'est plutôt cool. On a vraiment pas mal de choses à faire. Alors attendez, parce que hop, on a 2 points. On va améliorer le marteau. Alors. Éperlan barre de fer. C'est la barre de fer. Marcher jusqu'à la destination. Ok. Il nous faut quoi? Bande métallique. Ok. Construisez la pièce de la machine avec. C'est laquelle? Ok. Ok. Ok, on va devoir miner à fond, à moins que... Non, il n'y a rien là. Poutre transversale de base. Essuyère. Ok. Et là, il faut. Bah, on va faire les poutres. Je crois qu'il est resté un morceau de bois, non? J'ai tout pris? Non. Alors, il m'en faut la moitié.
Hop. La scie. Là, c'est pareil, il faut être dans le triangle jaune. Elle est où? Elle est là-bas. Ok, et là, il faut une poutre en bois, une grande. On va couper un autre arbre, du coup. Hop. J'aime bien dire hop, oui, c'est... Juste que des fois il y a des blancs, je dis qu'est-ce que je dois dire? Alors, je dis hop. Perfecto. On prend la bûche. Et donc on fait la traverse avec le pan de métal qu'on a fait. Et on cloute tout ça. Apparemment. Construisez la pièce machine, le cadre. C'est quoi le cadre? Faisceau vertical gauche. Ok, il me faut une poutre en bois et 8 clous. Donc on va les miner pour faire les clous. Alors, il nous faut du charbon, du fer. Alors ça, c'est un petit peu embêtant, c'est de devoir changer à chaque fois l'outil. Genre par exemple, là, vous voyez, je pourrais le prendre, mais non, je dois mettre la main. C'est juste ça qui est un peu embêtant, je te dis. On va déjà ramasser ça. On va faire des clous. Ok. Ok. Ensuite. Clou. Ça me fait combien de clous en fait? Vingt. Ok. Donc les clous j'ai. Et tu veux ensuite la moitié de poutre en bois. Ok. Alors, hop, ah voilà, là j'ai fait un bleu, j'ai un peu cafouillé. Ok. La scierie, on prend la scie. La moitié et on va la mettre. Okay.
Ok, construisez la pièce, inclinez droit. Ah, il faut des quartiers là, ok. Heureusement qu'on sait tout faire, nous. On est trop trop fort. Ok. Prends ça, on prend la scie. Prends la scie de nouveau. Ok. L'autre quartier. Je sais pas c'est quoi comme. C'est pas une catapulte, j'ai l'impression. J'ai plus assez de clous. On va faire des clous. Ok, ensuite tu veux quoi? Poutre à cadre arrière. C'est quoi? Faisceau de cadre avant. Essieu arrière. Essieu avant. Essieu de temps. Alors c'est ça? Où c'est que je trouve un essieu moi? Essieu. Comment je fais un essieu, moi? Bah attendez, déjà on peut faire ça. D'accord, il manque deux clous et encore une moitié de poutre. Ok. Et si vous voyez des essieux pendant que je coupe, vous me dites. Comment que je fais des essieux? Il veut la moitié, on est d'accord. Ok. Les pots doivent être sur le wagon voisin stockés dans une boîte et sont pas faits pour l'onaguère. Les pots? Bien sûr, c'est lancé. Où pourrait être la clé? Je vais tenter ma chance et demander aux soldats assis sur le côté du feu de joie. Oh non, je savais que juste au moment où je perds une clé, quelqu'un viendra lui demander. Écoutez, je ne sais pas où se trouve la clé, je me souviens juste que lorsque je traversais la passerelle dans la forêt voisine, je l'avais toujours à ma ceinture. Essayez de regarder autour de là. Ok. Toi, je vais te faire décapiter. La passerelle dans la forêt voisine. Là.
Punaise. Ok. Il me faut deux bandes métalliques maintenant. Ça on a fait combien? 4, ok. J'ai besoin de quelques corps supplémentaires pour plus de travail. Je vais devoir regarder autour du camp. Il devrait y en avoir beaucoup ici. Des corps supplémentaires. Marcher jusqu'au point. Ok. Cordes. Tu veux que je fasse des cordes comment? Comme ça ou comme ça? Comme ça? Ah, je peux faire les ceux-là, d'accord. Ok. C'est pour faire quoi? Créer la grande corde. Extension. Grande corde? Il n'y en a qu'une de corde. Il faut plaque en fer et deux mécanismes. Et c'est reparti pour la mine. Que j'ai pas besoin d'attendre. Ok, ça c'est bon. Nickel. Construisez la machine essieu avant. Ok, donc les essieux avant, c'était ça alors. Essieux. Il me faut une poutre en bois. Il y a combien d'essieux à faire? 3 essieux. Un là. Et un là. Ouais, donc 3 essieux. Hop, ça on va le mettre là. En attendant. Il me faut des poutres complètes pour les essieux. Je suis bête, moi. Hop. Un essieu. Commencez par où? Par celui-là. Là, il faut un essieu, des clous, un mécanisme. Et là, deux bandes métalliques. Alors, je crois que j'ai assez pour faire des clous, des mécanismes, des bandes métalliques. Ensuite, ça, là-dessus. Tac.
Parfait. Un essieu. Ah, je vais devoir faire le bord de la catapulte aussi. Bah vas-y, on va faire. Ah, j'ai pas fait de barre de fer. Ah, c'est des barres de fer qu'il me faut. J'avais pas vu ça, barre de fer. Attends, des barres de fer. Ah oui. Bon, bah on va encore miner. C'est la fête. Ça répop. Ça répop tout le temps. On va être tranquille en fait. Fait un potager de charbon et de fer, oui. Hop, est-ce que j'aurai assez pour faire ce que je veux ou pas? Barre de fer. Artisanat, artisanat et artisanat. On va vérifier juste pour savoir ce qu'il a besoin. Ah non, c'est juste des barres de fer, ok. Il est où mon essieu? Ok. Ah, il faut encore une barre de fer. Ouais, je peux. Oh, punaise. Il me faut une barre de fer et une poutre en bois. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Faut que j'augmente aussi mes trucs, mais j'en ai que deux. Oh, quoi que je pourrais mettre dans la mine. Voilà. On va prendre plusieurs. Niveau supérieur. Hop, voilà. Construire des barres de fer. Alors, artisanat, 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 artisanat. Parfait. Maintenant, on va couper un arbre. On enlève l'écorce. Parfait, on prend ça. Attendez, qu'est-ce que je dois faire? Un essieu, oui. Essieu. Il manque de bande métallique.
Parfait. Et sur arrière, il est pas fini là? Ah non. Ok, marcher jusqu'au point. Là. Ok. Et tu veux que je fasse un bras de naguère? Il me faut quoi? Un bloc de bois avec une poutre en bois. Ok. Ok, donc bloc de bois artisanat. Ensuite, il me faut une moitié de poutre de bois. Et je fais le bras naguère. Ok. Il est où? Il est là. Il est temps pour un test de machine. Vérifions si tout fonctionne correctement. Ok. Marcher jusqu'au stock de munitions. Charger le projectile. Changer l'angle de vue de prise. Alors, comment on fait? Tourner. Toc. Est-ce qu'il y a... Changer la distance. Ouais, c'est pas mal. De l'autre côté de la gorge, il y a des tours de guet en haut ennemi. J'ai besoin de démolir ceux à gauche et à droite pour garantir. Ok, ceux à gauche et à droite. Je peux mettre ça ou pas? Wow. C'est où que je règle la distance? Ok. D'accord, plus petite munition, ça va plus loin. Vu que ça va jamais au même endroit, autant garder comme ça. Je vais peut-être tourner un petit peu. Et un petit peu plus de distance. Peu. Voilà. Et ensuite. Donc là, techniquement, je pourrais prendre les gros boulets. Yes. Ah, solide les fortifications. Je sais pas si c'est mieux de faire les petits boulets ou les crocs.
Je crois que les petits sont pas mal en fait. Hein. Et voilà. Bon travail, je suis épuisé, j'ai besoin de me reposer. Et on va se reposer, puis on va s'arrêter là pour la présentation de ce jeu que j'aime beaucoup. Nous sommes extrêmement ravis de la nouvelle d'un autre avancement remarquable rendu possible grâce à vos compétences concernant le passage réussi des troupes à travers les ravins. La destruction que vous réalisez avec l'aide de vos constructions magistrales offre à notre royaume l'avantage essentiel si nécessaire dans ce conflit. N'oubliez pas que vos actions contribuent à minimiser les pertes subies par nos troupes au cours de chaque offensive. Vous détruisez, vous protégez, vous démantelerez pour sauver des vies. Ok. Bah c'était cool! Du coup, il y a pas mal de choses encore. Oui, il y a quand même une belle aventure à faire. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Bref, du coup, moi, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.